Bonsoir Instagram, je vous attends pour l'ouverture de la case numéro 5 de notre petit calendrier de l'Avent en attendant Noël. Il y avait cette case, on ouvre la cinquième, malheureusement il n'en restera plus ensuite que deux. Mais bon, c'est pour la bonne cause, ensuite on enchaînera sur le challenge créatif de Noël. Donc je vous attends, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour Magali. Bonjour Milouze, Émilie, salut l'atelier de Loti. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? On est dimanche soir, je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Chez nous, on est en mode, on va faire les petits sablés de Noël. J'attendais de faire mon live, ensuite pour aller mettre mes mains dans la pâte. Et on est passé en mode, voilà, fête, on a fait notre sapin, tout ça. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. C'est la fin du week-end, enfin si vous travaillez demain, parce que je pense qu'il y en a aussi qui travaillent aujourd'hui qui ne sont pas en week-end. Donc bonsoir à toutes et à tous et je vous attends pour ouvrir la case numéro 5. Bon, si tout va bien, ça me fait plaisir. Il pleut, Evelyne elle dit oui, bah ici c'est moyen. Il a plu une grosse partie de la journée, là j'ai fermé mes volets donc je ne vois plus, mais je pense que c'est pas terrible, terrible non plus. Et ben Pierronne, bienvenue pour ce live. Je suis désolée, ça défile vite les commentaires. Je n'ai pas tout le temps de tout lire. Ah, Laetitia, bah oui, bah, si tes enfants sont malades, prends soin d'eux. En mode soupe et potiron, elle nous dit Caro Nanos. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Allez, je vous annonce déjà le résultat de l'enveloppe d'hier, hein, de notre calendrier de l'Avent en attendant Noël, en partenariat avec le tissu by Domotex. Donc hier, je vous rappelle le lot qui était à gagner. Hop. Donc c'était un très joli tissu enduit grue que voici. Bon là, il est plié hein, parce qu'il était dans mon enveloppe. Voilà. Avec, hop, à l'envers, le patron de l'étui à lunettes, Thiago. Et notre gagnante, c'était quelqu'un qui était en live hier. Attention, roulement de tambour. Ta-ta-ta-ta-ta. C'est tout en zig et zag. Donc félicitations. Pour recevoir ton cadeau, n'hésite pas à me faire un petit message privé ou un petit mail et je te réponds dans la foulée. Les gagnantes d'hier et d'avant-hier, j'ai bien eu vos mails, ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'était le week-end, j'ai fait une petite pause de mail aujourd'hui et hier aussi un petit peu. Donc je vous réponds demain, ne vous inquiétez pas. Bah, en tout cas, félicitations, tout en zig et zag. Je pense que tu vas bien t'amuser avec cet enduit là qui est très 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 beau. Et puis ton patron, l'étui à lunettes, Thiago. Bonsoir tout le monde, je vois que vous arrivez, bonsoir, bonsoir Brigitte. Alors est-ce que vous êtes prêtes et prêts pour l'enveloppe numéro 5? Nous sommes le 5 décembre, ah là là, il ne va rester plus que deux enveloppes et ça me fait penser qu'il va falloir que je m'active sérieusement sur le challenge créatif qui démarre le 5. À partir du 5, pardon, on est le 5, à partir du 7, on va avoir un challenge créatif qui va être lancé sur les réseaux avec beaucoup de partenaires, je vous redis ça très bientôt, et notamment avec Cricut. Voilà, et puis ma team, salut Steph, ça va? Voilà, on est en finalisation, il nous reste un peu de travail, mais dès que je sais tout, je vous explique tout, 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 tout. Plus que prête, les créas d'or et d'argent, et eh ben écoute, ah, Marinoche K Création, ravie de te voir, Islaine, elle est prête, Mila, allez, coucou, on y va. Hâte de savoir, vite, 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 arrête de raconter ta vie d'Odinette, elle nous dit Nina, elle a raison. Allez Nina, j'ouvre l'enveloppe, donc numéro 5, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je vois plein de jolis cœurs qui défilent, coucou, je ne sais pas qui m'envoie tous ces cœurs, mais ça me fait plaisir. Allez, on y va, c'est parti. Numéro 5, le 5 décembre. Tadam! Qu'allons-nous gagner aujourd'hui? Et salut Manu! Hop là, on y va. Alors, on commence par quoi? Allez, le tissu, hein. Le tissu, c'est ça. Plus additif, c'est le tissu. Allez, c'est parti. Youpla. Donc, celui-là, je l'aime bien aussi. Enfin, je les aime tous, alors je ne fais pas trop... Alors, voilà. Hop, je vous le déplie. Il est là, il est beau. À l'endroit, c'est mieux dans son sens. C'est un tissu que j'avais travaillé en coton et que je trouve vraiment sympa en enduit. Je vous le montre vite, 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 le tissu, s'il vous plaît. Voilà, il est là, il est beau. Regardez, dans des tons de bleu avec du rouge... Un petit peu doré, ocre, je dirais, voilà, du vert. C'est un tissu un petit peu
C'est pas vraiment des fleurs, c'est des feuilles qui s'envolent au vent. Voilà, je le trouve très sympa. Waouh, trop beau, elle nous dit, les créateurs et d'argent. Mais je suis contente que ça vous plaise. Trop beau. Création d'Emmy. Sophie aussi, elle aime bien. La maison pivoine. Color chouette, elle nous dit. Ouais, il est vraiment sympa. En plus, il reste souple, hein, d'accord? Il reste souple à travailler. Donc, je pense qu'on peut vraiment, vraiment bien s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui? Bah oui, qu'est-ce qu'on va coudre avec ça, Dodinette? Dis-nous tout. Comme ce sont des gros motifs, je suis partie sur un patron plus grand, d'accord? C'est pas une petite trousse. Parce que je me dis, là, c'est dommage de venir couper dans ces motifs qui sont vraiment très, très, très jolis. Donc, moi, je vous offre le patron de mon sac Anae. C'est écrit à l'envers toujours, hein, je vous rappelle, parce que je suis en selfie. Donc, ça, c'est un sac que vous avez beaucoup aimé coudre cet été. Vous, d'ailleurs, vous le cousez toujours, hein, parce qu'il est proposé en kit sur la boutique. Et il est en deux tailles. Voilà, donc le patron, le sac Anae. Je pense que dans le coupon de tissu, il faudra le faire la taille 1, parce que la taille 2, il va manquer un peu de tissu. Ou alors, vous le positionnez juste à l'extérieur et vous le mariez avec autre chose dedans. Mais je pense que ça peut faire vraiment un sac très très sympa en le mariant soit avec des tissus un peu toile, du simili ou alors encore du velours. Là, j'ai reçu un velours très beau, d'ailleurs, il faut que je vous le mette en ligne. Il est vraiment sympa et du coup, je pense que le contraste peut être vraiment vraiment sympa. Donc voilà, je vous répète, le tissu du jour numéro 5, le 5 décembre. Tissu offert par Domotex France. Et du coup, la gagnante ou le gagnant remportera un coupon de 1 mètre par le lèse. Et moi, je vous offre le patron du sac Anae, bien entendu, en deux tailles, hein. Pour les autres patrons, c'était la même chose. Si un patron possède plusieurs tailles, bien entendu, je vais vous offrir toutes les tailles. Voilà, pour notre jour 5. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, j'en profite comme je suis là. Pardon, je parle trop vite. Pour vous montrer, vous voyez sur mon sac là, il y a un galon pailleté. Et c'est mon programme de demain. Vous rajoutez tout ce qui va être galon pailleté, tout ça sur la boutique. Ça me prend beaucoup de temps parce que c'est moi qui fais toutes les photos toute seule. Donc je n'avance pas trop vite. Mais je vais vous en montrer un en direct comme il est très beau. Il est juste derrière moi. C'est trop tentant. Bougez pas. Hop. Youp. Je vous en montre un. Par exemple, celui-ci, c'est l'argenté. Voilà. Et c'est un galon comme ça à coudre. Alors c'est un argenté mat que je trouve très sympa. Donc voilà. Le sac Anae à décliner. Tenez, je vais vous montrer ce que ça pourrait donner, que ça pourrait être joli comme tout. Voilà, un peu chic. Mais il y a plein d'autres couleurs. Mais ça, je vous montrerai tout demain parce que je vais les mettre sur la boutique. Voilà. Trop génial, Dodinette. Bah, Karine, je suis très contente que ça te plaise. Donc, je vais remettre le petit combo du jour. Il a l'air de vous plaire. Donc, ça, c'est chouette. Je vous le mets. Hop, je le remets dans l'enveloppe numéro 5. Et je vous dis bonne chance. Vous avez 24 heures maintenant pour commenter cette vidéo. Pensez toujours à vous abonner à la page de mon partenaire, hein, le tissu by Domotex et la mienne, Pi Dodinette. Parce que quand je vous tire au sort, je vérifie que vous avez respecté les conditions. Mais jusqu'ici, tous les jours, je n'ai pas eu de soucis. Donc bravo. Je vais passer une question. Hop, ça va très vite vous défiler. C'est Oxybis44 qui dit il se coud ça facilement. Oui, en fait, si tu veux, ce sont des tissus. Bon, je vais te rouvrir la numéro 4 par exemple. C'est un tissu enduit qui se coud facilement parce qu'il reste souple. Voilà, donc ce tissu, pas de souci. Et si c'est pour le sac Anae, il n'est pas difficile. Il faut juste faire attention aux épaisseurs. Donc, si tu choisis un tissu que tu as l'habitude de travailler ou qui n'est pas trop épais, tu n'auras pas de problème. Ce sont de grandes pièces. Donc en fait, il faut prendre son temps, bien découper la veille, parce qu'il y a pas mal de découpes, et finalement, ça se passe bien. Voilà. Et ben, je suis très contente que ça vous plaît. Je vois plein de jolis commentaires. Merci beaucoup. OG Caron, merci beaucoup. Plus qu'à croiser les doigts, dit Sandrine. Oui, croiser les doigts. Il faut croiser les doigts. Je vous souhaite de gagner. Il reste encore, donc il y a 7 enveloppes, hein, c'est la 5. Il reste encore 2 enveloppes, hein, une demain lundi, une mardi. Et puis mardi, je vous propose le challenge. Alors, le challenge pour participer, faudra faire une création, d'accord? Donc, il va y avoir. Tout va bien? Oui, j'ai eu un petit. Mon téléphone m'a dit ouh, tu n'as plus de batterie. Voilà. Donc, le challenge, le principe va être de faire une création, d'accord? Vous pourrez participer, ça va être. Tout va être gratuit. Il n'y aura pas de passeport à acheter, c'est un tuto facile. Je vous proposerai aussi un live couture.
Bon, c'est un patron de saison, hein, voilà. Et puis, il y aura une partie customisation où vous allez pouvoir customiser cette création. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas très forte ou pas très fort ou vous n'avez pas envie de travailler le flex, vous ne serez pas obligé. Il y aura une partie dédiée à la customisation, voilà, et une partie dédiée à la couture. Il y aura des cadeaux différents. J'ai plein de cadeaux à vous faire gagner. Donc, je finalise tout ça avec mes partenaires. Et je vous explique tout le 7. Après l'ouverture de la dernière enveloppe, j'en profiterai pour vous parler un peu du challenge. Et je pense que je referai un live dédié à ça. Voilà. Oui, Christelle sera accessible aux débutantes. Aussi aux enfants, le but c'est de s'amuser en famille. Il y aura plusieurs lives. Il y aura du live de découpe, du live de couture. Il y aura du live de custo. Ça va être vraiment chouette. Donc j'ai vraiment très très hâte. Il me reste qu'un peu de travail quand même. Hein, parce que organiser un challenge, c'est toujours... du boulot, hein, parce que j'ai des partenaires qui me font confiance, donc j'ai pas envie de les décevoir, j'ai envie qu'ils soient contents de ce que j'ai fait. J'ai envie que vous, vous soyez contents et contentes et que vous ayez envie de participer, c'est très important. Et pour ce challenge, je me fais aider de partenaires aussi, notamment Locréation, Cassandre que vous connaissez, Cassensi, il y a aussi Véro de Papier Ciseaux, enfin voilà. Il y a des créatrices qui vont m'aider. Parce que je ne peux pas tout faire toute seule et je pense que ça va être vraiment chouette. Voilà, donc je travaille encore. Mais en attendant, pensez à jouer pour l'enveloppe 5. Et moi, je vous dis à demain. Oui, tu as entendu le challenge, les créas de Magali. Tu verras. Je vous dis à demain pour l'enveloppe 6 et à très vite pour la suite. Passez une bonne soirée. Si vous reprenez demain, vous êtes en week-end, vous dites « Oh, je ne veux pas y aller parce qu'il fait froid, il pleut et tout ça ». Courage, mangez un petit chocolat cette saison. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller faire mes petits biscuits de Noël avec mes enfants et je mangerai un petit chocolat en pensant à vous. Allez, bonne soirée les cousettes. À bientôt, à très vite. Merci Sandrine, mes challenges sont toujours super. Bah, j'espère, on verra. Allez, à demain, bonne soirée, à bientôt. Enveloppe numéro 5, bonne chance.